est-il arrivé à Marie? Est-elle morte? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Oh Seigneur! Que vas-tu faire maintenant? Plus rien n'a de sens. Tu ne l'as pas mérité, mais... elle te va bien. Bonne fortune à toi, Edward Kenway. Une autre bouteille. Montre d'abord ton argent. Ça te convient? Durant toutes tes années passées ici, tout ce que tu as pu faire n'est rien à côté de ce que j'ai accompli. Parce que tu es un homme bon, Edward, voilà! Et la bonté est un fléau. C'est ma prise, Robert! Rends-la-moi! Tu te souviens de mon credo, petit? Que la vie soit aussi joyeuse que courte. Le monde n'a rien d'autre à offrir. Alors prends tout ce que tu veux et meurs avant que les autres ne fassent de toi un fou. Donne-moi ça. Allez, petit, viens le chercher. Je vais te montrer, sale chien. Je vais t'ouvrir le con. Du calme, jeune chiot. Retourne donc dans ta niche. Tu n'as pas assez de tripes pour te mesurer à ma folie. Robert! Bienvenue à bord, Kenway. Les prises, le pillage et l'aventure nous attendent. Ça te tente? Hors de mon chemin, Ben. On trinque à la liberté, les gars. Longue vie aux gentilshommes de fortune et aux femmes de petite vertu. À un monde où les voleurs n'ont rien à envier à tous les rois qui nous piétinent. Nous, gentilshommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Comment un homme doué de raison pourrait-il refuser une telle vie? Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en les retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot! Volant le prix d'un pâtre, déploya ses puissantes ailes et s'empara d'un pauvre pour l'emporter jusqu'à son aire. Volant non loin de là, un jackdaw assista à la scène et se persuada que lui aussi disposait d'une telle force et d'une telle adresse.
Dans un grand mouvement d'ailes et de plumes, le Jakda fondit son âme au jambé et planta ses griffes. Et lorsqu'il s'envolait, il comprit que ni sa taille, ni sa force ne lui permettaient de mener à bien cette histoire. Et alors que le Jakda renouvelait des forces, il y aurait encore son roi de là, de l'autre côté du plus de 2 ans, tu me l'avais promis. Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi. Mais tu m'avais, moi. Pourquoi tu ne rentres pas? Je ne te rends pas heureux. J'y suis presque, Caroline. Je t'en prie, il faut que j'y arrive. Que tu fais est motivé par le dépit, Edward. Ce n'est pas le dépit qui m'anime, Marie. C'est le courage. Le courage de faire quoi? Tous ceux qui comptaient dans ta vie ont disparu. Allez, pauvre au diable! Je peux y arriver! T'es une brute! Tu détruis tout alors que tu pourrais construire! Devenir quelqu'un, être fier de ce que tu fais! Laissez-moi tranquille! Tu dois changer, Edward! Tu dois changer de vie avant qu'il soit trop tard! Capitaine Kenway, tu ressembles à un morceau de pudding. Mon Dieu. Ah, j'ai la tête en bouillie. Debout. Tu m'as mis dans le pétrin, Adé. Tu m'as laissé seul avec Robert. Je devrais être furieux de te revoir ici. Mais en fait, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Et tu vois que ton Jakda est toujours en un seul morceau. Où va-t-on mettre le cap? Tu t'en vas? Oui, Edward. Compte plus sur moi pour te suivre. Adé, écoute. Quand ton cœur et ton esprit seront prêts, va voir les assassins. Je pense que tu comprendras.
toute la toile.